Salut à tous, oui, cette histoire prend de l'ampleur. Ça n'arrive pas de ce phénomène-là, des hommes qui prennent qui ont des trucs intimes avec des mineurs, je ne vais pas dire le nom. Et il parle aussi des encadreurs qui profitent pour faire des recrutements Les gens malsains là, des ils marchent mineurs. droit droit, donc ils ont On compris que met les tout à choses ne sa limite. sont pas de manière naturelle. Les parents même qui envoient leurs enfants dans les trucs, et puis ils envoient, eux, ils voient que leurs encadreurs là, eux, ils sont quoi? Ils vont déposer les enfants là dans leurs mains, là, c'est pourquoi. Lui va monter ici, il va monter ici pour lui nous dire quoi? On va lui donner tribune devant 9000 personnes ici là. C'est pour dire quoi exactement? Il est monté ici là. Il s'est pavané pendant 5 minutes, bavardage, bavardage, bavardage. Il a dit quoi de concret? Eux tous, ils ont les liens avec le même monsieur. Et ils connaissent, ils se connaissent, eux tous se connaissent. C'est un réseau qui se connaît. Et moi, j'ai dit tout à l'heure, c'est comme l'araignée, elle tisse ses toiles sur tous les côtés. Une fois qu'un fil est suspendu, tout le monde a peur aujourd'hui pour son anus. Et puis ils se connaissent tous. Mais il n'y a pas un qui a les couilles de se lever pour dire que je détiens un truc sur lui-là. Parce que tout le monde a peur que son boda soit mis dehors. Mais sur la tête de mes enfants, nous, on va voir. Et puis on va sortir sur les trucs de boda. On va montrer à chacun ici. Parce que l'autre qui va sortir sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui, en toute liberté, en train de nous narguer jusqu'à dans, il dit ces grains de TikTok. Moi, je dis, c'est dans 72 heures. Chaque jour, il y a deux ou trois noms qui vont sortir. Et les noms-là seront obligés de sortir pour se défendre. Et ils vont dire d'autres noms. On est les gars. S'ils n'ont pas arrêté ça. L'autre a dit quoi? Va au Liban. C'est dans l'anus de ton père. Il est parti. C'est dans l'anus de ton père. Moi, il allait m'asseoir là-bas. S'ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas arrêté. Vous allez voir, moi j'ai dit tout à l'heure dans mon Facebook. J'ai dit tout à l'heure sur ma page Facebook. Quand il y a beaucoup, depuis le premier jour, moi j'ai dit, les petits que vous voyez, c'est des sacras, c'est des sacrifices. Mais les vieux pères, les gouttes du pays, qui téléguident les petits, parce que les sommes d'argent dont on est en train de parler, les gens ne prêtent pas attention, mais c'est lourd. Tout à l'heure, les petits. Il est sorti, il dit qu'ils sont allés, oh, ils ont fait un truc, il avait 300 000, 400 000, 800 000, 1 million. Vous voyez les petits là, ils réussissent sur la toile et ils drainent les petits derrière eux. Parce que les petits, lorsqu'ils vont contacter les gens dans les inbox pour dire, mais toi tu as réussi comment? Il va te dire, viens, je vais te mettre dans le réseau. C'est comme ça qu'ils sont en train de prendre les petits. Et les petits envoient les petits chez les vieux pères. Et les vieux pères qui sont là, eux, ils dispatchent les petits chez les moraux durs du pays. Et c'est comme ça, ils se wince matin, midi et soir sur le dos des petits. D'autres, c'est pour faire des sévices. D'autres, c'est des vices. D'autres, c'est pour avoir la force et l'énergie dans le côté spirituel. D'autres, c'est comme ça que ça fonctionne. Et lui va sortir, nous dit non. C'est-à-dire que dans cette émission, moi, je dis, c'est pas faute de Roseau Vacances. C'est faute de ses parents qui voient la manière d'être de ces gens. Et puis tu as venu donner ton enfant. C'est comme si toi-même tu étais en train de pousser ton enfant dans la bouche du diable. Mais il faut qu'on arrête à un moment donné. À la RTI, il veut fonctionner. C'est son émission. Toi, tu es un parent. Il y a 50 000 groupes. Toi, tu as accepté que tes enfants vont aller être encadrés par. Mais quel encadrement ceux-là vont donner à ton enfant? Et puis ton enfant va bénéficier de quelque chose dans sa tête. C'est quoi comme encadrement? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous prouver dans cet encadrement? Où celui qui fait l'encadrement, celui qui coiffe, celui qui parle, celui qui fait que c'est toujours des concepts de garçon en femme, où on est en train de partir, où réellement. Et en plus de ça, ils se créent des réseaux où ils vont, c'est-à-dire que les gens avaient parlé d'abord dans Miss Côte d'Ivoire. On dit non, pour être Miss, il faut faire ci, il faut faire ça. Maintenant, là, c'est sur nos enfants, ils sont arrivés. Le vrai danger, il est là, hein. Ne confondez pas les choses de LGBT et puis avec ce qu'on. Actuellement, là, c'est nos enfants. Nous tous, on est pères de famille ici. Nos enfants sont en danger. Et moi, ce qui me fatigue, c'est que le gars, lui, il est en liberté tranquillement. Et il n'y a pas un. Il a fait des centaines de victimes. Parce que chaque jour, les noms sortent, les trucs sortent. Et il n'y a pas un. Donc,
Quelle est cette peur qu'il a créée en ses enfants? Un. Qui est celui sur qui lui compte? Et puis, il est en toute liberté sur le TikTok en train de s'amuser, en train de se foutre de nous tous ici tranquillement. Sans souci majeur, sans être inquiété par quoi que ce soit. Sur quoi lui il compte en fait? Dans Côte d'Ivoire, sur quoi lui il compte? Et c'est lui, ils vont faire peur les enfants là. Et on dit non, il porte plein compte X, il porte plein compte Y. Aïe! Mais c'est quoi? C'est sur les enfants que tu vas te muscler. 13 ans, 14 ans, 15 ans. C'est sur ces enfants que vous allez vous muscler. Sinon, Dieu connaît le bagage qui est lourd. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur la toile. Tu n'as pas envoyé convocation chez quelqu'un. Tu connais? Tu connais il y a quoi, toi et les enfants? Et tu sais comment tu fais pour que ces enfants soient obligés un à un de sortir pour essayer de te défendre. Défendre l'indéfendable. Mais ça fait 3 jours qu'ils essayent. Et après, eux-mêmes, ils retombent dans le piège eux-mêmes. Frère, tu t'es dit, tu ne sais pas sur quoi tu es tombé cette fois. Mais ça ne peut pas passer cette fois, en tout cas. Ça ne peut pas passer cette fois. Tu vas voir que face à un phénomène qui touche le pays, les pires ennemis vont s'allier ensemble contre ce genre de choses. Notre discours, on a laissé ça de côté et puis on va aller avec toi.